Aujourd'hui, on va faire un petit jeu. C'est pour les petits comme pour les grands. Ce jeu est très simple. Il vous faut deux personnes, vous et une autre personne. Le but, c'est que vous essayez de faire prendre une pièce à une autre personne sans qu'elle ne se mouille les mains. Et en plus, il ne faut pas grand-chose pour faire ce jeu. On a tout dans notre cuisine, ou presque. Il faut juste une pièce. En même temps, normal, c'est un peu le nom du jeu. Ensuite, il nous faut une assiette, une bougie, un verre d'eau, de l'eau et de quoi allumer la bougie. Un briquet ou des allumettes, c'est quand même plus pratique qu'un lance-flamme. Après, tu peux y ajouter tout ce que tu veux à côté, le but étant de perturber son adversaire et qu'il ne puisse pas récupérer cette pièce. Tu peux y incorporer par exemple un tournevis, une pomme de terre, un microscope ou le listembourg. Restera toujours. Le jeu est très simple, dans une assiette tu vas mettre de l'eau et du colorant si tu veux. Bon, au début j'ai voulu mettre beaucoup de jaune parce que j'avais quasiment que du jaune. Et quand j'ai vu que c'était moche, j'ai essayé de rajouter du bleu. Je me suis dit jaune, bleu, ça va faire du vert. Non, ça fait du bleu clair. Fuck la logique. Tu rajoutes ensuite la pièce et la bougie. Et ensuite tu l'allumes. Tu places un verre d'eau juste au-dessus et tu remarques que l'eau monte, la bougie s'éteint et tu peux récupérer la pièce sans te mouiller. Enfin, faut attendre un petit peu. One eternity later. C'est bon, tu as gagné le jeu, tu as pu récupérer la pièce sans te mouiller. Mais alors pourquoi la bougie s'éteint-elle dans le verre et pourquoi l'eau monte aussi? Dites-le-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. On est bientôt 100 000 sur TikTok, on a passé la barre des 1300 abonnés sur Instagram et on arrive petit à petit à la barre des 10 000 abonnés sur YouTube, donc je compte sur vous.